Hey, salut les amis, comment ça va? Ici Daclesia et bienvenue pour un nouvel épisode de Spelunky. Donc, je sais pas vraiment comment ouvrir cet épisode, donc plutôt que d'essayer de faire une ouverture qui va sans doute être ratée, ce qui est déjà le cas et là je fais que m'embourber encore plus, on va directement plonger dans le business. Donc évidemment, comme d'habitude, le but va être d'atteindre si possible la fin du... dernier niveau et de peut-être voir ce qui se trouve tout au bout de celui-ci. Et je sais que là c'est un jour de... que c'est une vidéo de Spelunky, un jour où j'avais dit que ce serait du Rayman. Oh, pauvre Georges. Georges, si tu pouvais te dégager. Bon bah. Tant pis pour Georges. Est-ce qu'il y a quelque chose qui mérite mon attention par là? On dirait. Allons-y. Ah oui, d'accord. C'était... Ça valait le coup que j'utilise une bombe pour ça. Hop là. Récemment, j'ai eu pas mal de chance dans mes runs de Spelunky. Et notamment, j'ai pas mal joué en offline, enfin en hors caméra. Et il s'avère que j'ai eu des plutôt bons runs. Donc j'espère que je réussirai à continuer ça, même quand je suis en train de tourner une vidéo. Pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal se passer, même si j'ai quand même utilisé un peu trop de bombes à mon goût. Et si je voulais, je pourrais descendre là-dessous, récupérer encore plus de trésors, mais je sais pas si ça vaut le coup. Bon, allez. On va tenter de récupérer un maximum de trésors, et pour ça, ça veut dire ne pas avoir peur de dépenser des ressources. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que on risque, même si on risque de se... j'ai presque cru qu'il allait me toucher ce caillou là. Même si on risque même si on risque de se retrouver sans la moindre ressource restante si on dépense tout pour obtenir de l'or, c'est quand même un... Oh, le joli fusil à pompe. C'est quand même un... Fuck. Ce serait con de mourir par le fantôme dès le premier niveau. Allez, hop. Au revoir. Ok. Plutôt un bon niveau, même si je suis un peu triste du manque de bombes. Y a rien là-bas, y a une grosse araignée. Sur la suite du niveau. Hop là. Vu que j'ai un fusil à pompe, je vais pas devoir utiliser ma dernière bombe pour le... Ah, quoique... Saute par ici, voilà. Et normalement, voilà. Une patte, une colle totalement gratuite. Il y a une idole là-haut. Il y a une idole, mais franchement, j'ai assez d'argent comme ça et j'ai pas vraiment envie de risquer ma vie pour aller HP. Ah, et la clé là, alors que j'ai pas la moindre bombe. C'est problématique. C'est très problématique. C'est très très problématique. Oh, il a déjà fait feu. Ok, d'accord. Bon, alors, chaque chose en son temps, on va ramener Georges ici. On va aller récupérer notre fusil à pompe. Et dites-moi qu'il y a des bombes. Oui, il y a des... Toi, va te faire foutre. Il y a des bombes. Hop là. J'ai pas vraiment envie de m'attirer la foudre des vendeurs. Donc, on va éviter de les mettre en colère. Même si j'aurais pu piller ce magasin, il contient pas assez de trucs intéressants à mon goût pour que je prenne ce risque. Et en plus, on est quand même vachement en avance niveau fric. Donc j'ai pas honte d'en utiliser. Hop là. Je vais devoir utiliser une corde pour sortir. Et si je descends chercher ce ruby, je vais devoir utiliser une autre corde ou une bombe. Non. Non, franchement, non. Je vais aller récupérer mon fusil à pompe. Et je prendrai la sortie. On a utilisé bien assez de trucs dans ce niveau pour comme ça, et on est quand même encore dans une situation financière très agréable. Hop là.
Pour l'instant, c'est plutôt un bon run. Là, ça pourrait évidemment très facilement changer si je faisais la moindre bêtise. Mais je sais pas, j'ai été capable de faire des erreurs moins stupides. Dis-je exactement au moment où je me fais toucher par une chauve-souris. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Il y a Georges là-haut. J'ai bien envie d'aller explorer ce qu'il y a de ce côté-là, là-bas. Il est sérieux ce piège à flèche à même pas avoir explosé. Bon. Bon. Chaque chose en son temps. Non! Alors, j'ai pas mal eu peur. Je tiens à le dire. Heureusement, je suis pas mort. Ça aurait pu se terminer de manière très tragique. J'ai énormément besoin de ramener Georges à la sortie. Ça va être une question de vie ou de mort. Hop. Là. Georges, ramène. Ah, mais il y a un hôtel. Ah, mais j'ai pas de vie. Mais si j'ai la cape à là, je pourrais choper plein de vie. Que faire, que faire? Non, non, non. C'est quand même une solution bien plus intelligente de déposer Georges à la sortie. J'ai beaucoup plus de besoin de points de vie pour l'instant que j'ai besoin d'offrandes à Kali. Et il y a vraiment beaucoup d'or ici. Je veux pas du tout aller récupérer cette idole, non merci. Et 48 000 dollars à la fin du troisième niveau. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Ouf, ça par contre, je suis pas trop content. On est dans un niveau à araignée. Et même si j'ai un fusil à pompe, il y a de grandes chances que ce soit. Attends, est-ce que j'ai moyen d'atteindre... Ouais, j'aurais moyen d'atteindre ça là-haut. Par contre, le problème, c'est que, étant donné que j'ai beau avoir un fusil à pompe, en général, dans ce niveau, c'est très difficile... Oh! J'allais dire que c'était très difficile d'activer les araignées sans les... Fallait s'y attendre, le jeu pouvait pas être assez gentil avec moi pour me permettre de survivre à ça. Tant pis, tant pis, tant pis. Plutôt que de se lamenter sur ce qui est passé, il vaut mieux se concentrer sur l'avenir. Même si je suis quand même vachement pas content de ce qui vient de se passer. Mais bon, c'est la vie, ma pauvre Lucette, enfin, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors... Si maintenant je pouvais trouver quelque chose qui me... J'aime pas tomber de cette manière-là, s'il te... D'accord. Ok. Je vais pas me plaindre de ce qui vient d'arriver, mais j'ai quand même un peu sursauté. Et le truc, c'est que les trucs comme ça m'arrive toujours quand je suis en train d'enregistrer. Quand je joue et que j'ai pas le frappe qui tourne, je me tape toujours des runs... Non, Skeleton. Je me tape toujours des runs de rêve, mais dès que j'appuie sur le bouton de frappe, snop, le jeu se met à me détester. C'est la malédiction du let's play, faut croire. Remarquez, c'est pas la seule occasion où ça m'arrive, parce que dans pas mal d'autres let's play, ça m'arrive également d'avoir un... ça m'arrive également d'avoir des grosses crasses quand je suis en train d'enregistrer. Non, Georges. Voilà. On a échangé un caillou contre Georges. Je pense pas que ce soit valeur équivalente, mais qui s'en soucie. Oh, bonjour, madame. Voir madame. Et évidemment, c'est tombé sur des pics. Là. Bonjour toi, qu'est-ce que tu contiens? Des bombes, merci beaucoup.
Pour l'instant, il m'est pas arrivé beaucoup de crasse, j'ai pas perdu de PV, j'ai pas utilisé beaucoup de ressources, mais bon, en même temps, faut dire que j'ai pas ramassé des tonnes de trésors non plus. Là, parce que gratuité. Là-bas, il y a George. Et allons-y. Hop là. On va en profiter pour récupérer une barre d'or. Ok, ouf. George doit décidément être une des armes les plus efficaces qu'on peut avoir dans ce jeu. Non, bien sûr que non, il est loin d'être l'arme la plus efficace, mais bon. Vu le nombre de fois où je me sauve la vie en utilisant George comme sacrifice. Comment est-ce que je vais me sortir de ça? Est-ce que au moins je ne serais-ce que la moindre possibilité de m'en sortir? Oui, j'ai moyen, ça va me coûter une corde, mais je préfère ça à perdre 2 points de vie. Voilà. Et puis en plus, je viens de récupérer ces cordes. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Merci pour les bombes, grand-père. Les bombes, c'est franchement quelque chose que je considère être un must-buy dès qu'on en trouve. Après, ça dépend bien sûr de la situation et j'ai bien fait de les acheter. Aïe, t'es sérieux qu'il m'a touché lui? Ok, je sais pas du tout comment j'ai réussi pour. Voilà. Et évidemment, il y a rien qui tombe là-dessous. Bon. Voilà, ça c'est fait. Ça devrait être bon, ça aussi. Voilà, parfait. Ouh, c'est... Ah, c'est la première fois que je vois des trucs comme ça, c'est tout mignon. Des araignées minuscules. C'est adorable. Non, c'est absolument... j'aime pas du tout ça, j'aime pas du tout ça. Meurs. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. J'ai pas besoin d'aller réveiller cette araignée là, j'imagine que ça ferait quand même des trésors en plus. Mais non, franchement, non. J'ai pas envie de gâcher mes ressources à ça. Je peux les ramasser? Ouh, je peux les ramasser, c'est tout mignon, c'est adorable. Je précise avant toute chose que non, je ne suis pas fan des araignées. Et il y a la suite du niveau par ici, ça veut dire que je vais être obligé de traverser dans une de ces régions-là. Ça m'attriste légèrement parce que j'ai pas vraiment trouvé de. Est-ce que je vais être obligé d'utiliser une bombe pour passer? Ou alors c'est juste qu'il y avait un autre chemin que j'ai pas vu? Non, il y avait pas de chemin pour descendre, j'étais obligé d'utiliser un. Bon, d'accord. D'accord, pourquoi pas. Je crois que c'est la première fois que je tombe sur un niveau où on est obligé d'utiliser des bombes pour pouvoir progresser. C'est plutôt pas très bon. Ou alors j'ai loupé un gros chemin quelque part, mais une fois, je ne vois pas où. Et on va dire que c'est suffisant comme ça. Bon, ça va. On n'est pas trop dans une mauvaise posture. Au contraire, on est même plutôt dans une bonne position. Là, aïe, j'ai eu peur du... Non, mais il y a un moment, ça commence à bien faire quand même. Ok, donc comme je disais, ouais, j'ai eu peur du piège à... Du piège à flèche, du coup, j'ai avancé pile dans l'araignée. Il n'y aura pas quelque chose d'intéressant là-bas? Allez, dites-moi que j'ai pas gâché une bombe pour rien. Tant pis, utilisons une autre bombe. J'ai envie d'aller... Aïe, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Je suis pas sûr que ça valait tant que ça le coup, mais bon, j'ai récupéré plus de bombes que j'en avais à la base. Et en plus de ça, j'ai récupéré des trésors. On va dire que ça valait le coup.
Par contre, j'ai remarqué la clé en bas. Il va falloir que je trouve le coffre, que j'arrête de me faire frapper par des chauves-souris. Voilà, ça, au moins, ça s'en est occupé. Ouais, c'est satané coffre. Ne me dites pas qu'il est en bas. Où est ce foutu coffre? Coffre, coffre, où es-tu? Coffre. Ça, bah le voilà. Ah j'ai rien d'autre à dire. Il faut que j'apprenne à regarder devant de chaque côté de la route avant de traverser. Sinon, je me fais écraser par des araignées. Je vais utiliser une bombe. J'ai vu qu'il y avait une caisse là-bas et pas mal de trésors également. Je vais devoir utiliser une autre bombe, n'est-ce pas? Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est le jour du on utilise les bombes à tort et à travers. Hop là. Pas vraiment, c'est moi qui viens d'inventer cette fête nationale. Cette fête nationale. Qu'est-ce que je raconte? Deux bombes pour trois cordes, c'est pas du tout un bon échange. Et j'étais certain que ça allait arriver. J'ai presque envie de restart la partie déjà. Bon non, soyons pas comme ça. Bon bah c'était un étage de merde. Espérons que le prochain soit un peu plus gentil. Et c'est évidemment quand je me tape des runs superbes où j'ai failli arriver jusqu'au temple, qu'une fois que je frappe, je suis plus capable d'arriver de ne serait-ce que dépasser les mines. Ok, donc déjà, araignée là-haut que je viens d'activer par erreur, c'est plutôt mauvais ça. C'est plutôt pas cool du tout. Quoi ? D'où tu m'as blessé alors que je te sautais dessus ? Je coupe sur un montage. Ok, bon. En fait, non, j'ai dit ça, mais je vais sans doute pas le couper au montage sur un précédent. Et la preuve que non, c'est que je viens de dire qu'il y a eu un run précédent. C'est... Ça y est, là, je commence à arriver dans la zone où j'en ai marre de fail le temps et où ça me fait... faire énormément d'erreurs. Il faut que je sorte de cette mentalité, que je regagne mes sens et ma volonté de gagner. Sinon, ça va seulement s'aller de pire en pire. En commençant par mon incapacité à parler. Là, deux rubis, ça c'est pas trop mal. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux récupérer? Oui, merci beaucoup. Ça a l'air d'être déjà mieux que le premier étage précédent. Pas de beaucoup, mais ça l'est quand même. Hop là. Enfin, je dis pas beaucoup, on a quand même utilisé aucune bombe, aucune corde, donc j'ai pas vraiment... En parlant d'utiliser une corde... Hop là. Et c'est un niveau à serpent, donc c'est une très bonne nouvelle. Et il y a je sais pas combien de caisses sur ce niveau, c'est assez affreux. Des cordes, c'est bien, parce que pour une fois, je vais en avoir besoin. Tant que j'ai pas les gants d'escalade, ou même si j'en ai besoin, si même si j'ai les gants d'escalade, j'ai besoin de quand même un minimum de cordes pour partir à l'assaut du 3 serpents. Est-ce qu'il y a une entrée quelque part? Non. Ça veut dire bombe. Et un pistolet à toile, pourquoi pas? C'est pas exactement ce que j'appelle une bonne arme. Est-ce que le coffre est dans le trou? Non, il n'y est pas, et il y a encore plus de trésors par ici. Bon, ça veut dire qu'on utilise une autre bombe. Est-ce que je le vois d'ici? Non. Ça m'inquiète un peu de ne pas le voir. Pour tout vous dire... Non, pas de ce côté. Mais il y a je sais pas combien de caisses dans ce niveau, c'est... Enfin, je m'en plains pas, hein, mais...
C'est quand même hallucinant le nombre de pièces qu'il y a dans ce niveau. Bon. J'espère que je vais pas avoir à utiliser trop de cordes pour remonter. Ce serait quand même dommage. Ouais. Non, je voulais balancer ça. Je voulais balancer la clé, pas une bombe. Ah, c'est pas bon du tout ça. C'est pas bon du tout. Voilà ce coffre. Là, ça c'est déjà comme ça, ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir creuser un chemin jusqu'au coffre. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est encore des cordes pour monter là-haut. La clé, s'il vous plaît, merci. J'espère que le fantôme va pas arriver. Et il a fallu que j'ouvre ma gueule. On va pas perdre de temps, hein. J'aurais aimé pouvoir explorer ce niveau un peu plus, mais ça vaut pas le coup de risquer un tango avec le fantôme. Surtout que là, j'ai une pioche, j'ai pas mal d'or. J'allais dire que j'avais pas mal de vie, mais encore une fois, j'allais le dire, parce que c'est plus vrai. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse pas l'idio. C'est tout aussi simple que ça. Là. J'ai pas encore vu de magasin dans ce run, ça m'étonne un peu. Alors, déjà, ça là, on va miner tout ça. On va tellement tout miner. J'ai fait une petite erreur dans mon minage. Voilà, erreur réparée. Et je vais même pouvoir choper une colle complètement gratuite. Ça, c'est cool. À condition, bien sûr, que je rate pas mon lancer. Voilà, parfait. Georges, mon petit Georges, descend vers les profondeurs inconnues. Sois notre éclaireur. Sois un... Quel est le mot que je cherche? Un symbole de lumière et de courage pour nos braves soldats. Je dis complètement n'importe quoi, moi. Y a-t-il quelque chose de... Oui, il y a ça. Ça, oui, c'est très important. J'espère que ça va pas le mettre en colère. Non, c'est ça, l'a pas mis en colère. Maintenant, j'aime ce que je vois. Là. Et oui, pourquoi pas, vu que c'est là qui coûte le moins cher. Là, toi même pas en rêve. Voilà. Et maintenant, je crois que j'ai juste envie de me diriger vers la sortie. Tu m'as fait légèrement peur, toi. Georges, au pied. Au pied, te dis-je. Ville sac à puce. Voilà. Un Georges sécurisé. Maintenant, bon, je vais juste aller récupérer ça ici. Et au revoir les mines. Enfin, je crois. Ou alors, non, il reste un niveau. Non, il reste un niveau. Bon. Déjà, chaque chose en son temps. Voilà. Ça, au moins, c'est fait. Non, mais encore une araignée. Le nombre d'araignées par peau dans ce run, ou bien est-ce que c'était dans le précédent, je sais plus, mais... J'aime pas quand il y a trop d'araignées dans les peaux. J'aime pas quand il y a des araignées dans les peaux tout court. Oula. T'approche pas trop de moi, hein. Stranger danger. Bon. Oui, genre, je l'ai entendu mugir. Et si c'est le cas, je crois que ça veut dire que je vais devoir descendre par ici. Je crois que oui, en effet. Là... Il y a un magasin en dessous. Qu'est-ce qu'ils vendent dedans? Ils vendent un fusil à pompe. Ça pourrait être l'occasion pour moi de tuer les marchands.
Mais est-ce que j'ai envie de le faire? Je veux dire, j'en ai pas vraiment le besoin, vu que j'ai une... Ah bah, ça tombe bien qu'il soit cassé, parce que je voulais pas le... Je voulais pas avoir à trimballer soit l'un, soit l'autre. Hein. En parlant de Georges, je veux dire. Ok. Double rebond kill. N'importe quoi. Ce piège a déjà fait feu. Est-ce que j'ai vraiment envie de risquer la colère des marchands? À vrai dire, pas vraiment. À vrai dire, pas vraiment. Du coup, on va juste s'en aller d'ici. Déposer Georges. Oh, non. Au revoir, monsieur Scorpion. Je ne veux pas de toi dans ma vie. Ok, ben nous voilà à la jungle depuis je sais pas combien, depuis la première fois, depuis je sais pas combien de temps. Il y a un temple de Kalil là-dessous, donc je vais vouloir sacrifier Georges dès que possible. Oup. Oh, et le marché noir est à proximité apparemment. Ok. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est sacrifier Georges, puis aller au marché noir. La question étant... Où est-il? Je l'ai vu clignoter là-bas. Gaffe à toi, Daclu, hein. On sait tous à quel point les pièges Tiki, ça peut facilement terminer un run. Surtout que là, il y en a beaucoup. Est-ce que ça va péter l'hôtel? Ça a pété l'hôtel. Pas bon du tout, ça. Bon, et ben, j'imagine qu'on ne va pas aller sacrifier des trucs à Kali. Ok. Bon. Donc ça, c'est fait. Oh, mais le v'là, en fait, le marché noir. Ok, donc ça, c'est fait. Maintenant, il faut que j'aille trouver Georges. Si possible en ayant un chemin ça. Oh, je veux bien ton boomerang toi. Merci beaucoup. Ton sacrifice restera dans les mémoires pour toujours. Pour des générations et des générations. Non, pas vraiment. Bon, merci beaucoup. En fait, pour me simplifier la vie, voilà ce que je vais faire. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Plutôt que de risquer mon existence. Une difficulté inutile. Ok, je pense que ça veut dire on se casse d'ici. Franchement, j'ai beaucoup d'or. Là, je vais pouvoir me faire un vrai plaisir au marché noir. Alors, qu'est-ce que vous proposez, messieurs? Un fusil à pompe, une pompe. Oula. En fait, là, le truc que je suis en train de me dire, c'est que vu qu'il y a un fusil à pompe dès le premier étage du marché noir... Ok, donc je vais faire le fou. Je vais faire le fou. Non. Bon, et ben, j'aurais pas dû. Comment ça se fait qu'il a pas été assommé par mon tir de fusil à pompe? À moins que ce soit l'autre derrière qui m'ait tiré dessus, mais dans ce cas non, parce que c'est lui qui... Je vais pas essayer de comprendre, j'ai juste fait une terrible erreur. Ah, c'est toujours quand je suis dans des situations comme ça que je prends des décisions complètement débiles. Ah, je me hais parfois. Parfois, je veux dire tout le temps. Bon. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez apprécié la vidéo, voire de vous abonner si c'est pas déjà fait pour être averti des suivantes. Et en attendant le prochain épisode, portez-vous bien.